J'ai pas envie d'apprendre à côté d'un précipice, tu veux. Le sol n'est pas palpable. Donc là, j'ai eu peur. Honnêtement, je te le dis comme ça vient, j'ai eu peur. Hein. Ah, ça, je pense pas, moi. Ça fait flipper. Oh, la maîtrise. Quand on hésite, on tombe. Eh ouais, moi, j'engage. Non, pas comme ça. Il parle moins que d'habitude. Je ne commente pas cette dernière phrase. Jeff, il est en train de geeker sur son réseau social. Non, ok, je suis pas en train de geeker du tout, ok. Je regardais si j'avais bien été mon alarme. Aujourd'hui, je suis avec un mec normal. Ça doit commencer à le faire chier que tout le monde l'appelle un mec normal, hein, non? Voilà, donc un mec normal qui va faire quelque chose de pas normal aujourd'hui, puisqu'il vient avec moi. Là, il a un nouveau vélo qui est nickel pour pédaler et tout ça, et ben il va le porter. Ah merde. Bon, salut la communauté, ça va? Bon, ne zappez pas, hein. Vous êtes bien sur une vidéo d'Alexis Riguité ici, tout va bien, on gère. Ça sera pas aussi spectaculaire que d'habitude, je suis désolé pour ça. Mais allez, il va me donner 2-3 bases pour débuter en haute montagne ou en moyenne montagne. On fait quoi là? Là, on va dire c'est de la moyenne montagne. Ouais. Moyenne montagne, c'est déjà bien. Moi j'appelle ça de la montagne à vache. Tu vois la larme qui coule ou pas? Non, c'est vrai, dans le milieu de la montagne, on appelle ça la montagne à vache quand c'est encore tout vert. Voilà. Et là, on va pas dépasser le stade du vert, c'est-à-dire qu'on va pas y aller dans les gros cailloux, la grosse caillasse. Par prévention, évidemment. Hein. C'est tellement un paysage inconnu pour moi, ça. Ça, c'est des paravalanches. Ok. Parce que... Ça, c'est pour que l'avalanche, elle bouge pas la route, tu vois. Et ça, c'est un camion espagnol qui fait chier. On est vraiment tout petit. Toi, ça te génère plus aucun stress là. Là, tu vas vraiment à l'esprit. J'ai la maison. Et toi, ça te génère encore du stress là de venir ici ou pas? Ou tu vas comme moi, je vais faire une petite rando en Belgique de 40 km? Ah non, moi, c'est même pas ça. Là, j'y vais comme je vais au supermarché faire les courses. Là, ça, c'est ouf. Et les sommets là-haut qu'on voit, ils sont presque à 3000 mètres là. Est-ce que vous avez un peu peur pour moi? Non. Vraiment? Non, vraiment pas. C'est pas toi que je parle, c'est à eux. Est-ce que vous craignez un peu pour moi? Écoute, on va boire un café, on va se trouver une petite terrasse sympa, on va leur demander une petite birvelge ici, puis on annule. Aujourd'hui, j'ai choisi une petite rando sympathique pour Jeff, qui est pas trop dur. Et on peut pousser à la montée. J'ai de nouveaux muscles. Je savais pas qu'ils existaient ceux-là. Attends, là pour l'instant on n'a rien fait. Je ne commente pas cette dernière phrase. Il fait beau hein, en tout cas. Ouais. On a de la chance avec le temps. Le sol n'est pas palpable. Le sol bouge. On a passé en Belgique. Des fois, on a des feuilles mortes qui tombent en automne, ça glisse un peu des fois. Mais quand les cailloux bougent, c'est bon signe. Ça veut dire que ça passe en règle générale. Quand ils bougent pas, c'est plus compliqué. Mmh. Et là, j'ai failli déjà me tanner. Oh putain! Oh pardon, j'ai caché le plan. J'ai pas vu ça! Ça fait flipper! Mais ça glisse là! Ah, mais je sais pas faire ça moi. Ouais, tu peux continuer à pousser hein. Mais en fait c'est moins fatigant en portant. Non, pas comme ça. On n'est pas en cyclocross là. Pour l'instant il tient le Jeff hein. T'avais des doutes? Non, j'avais pas de doute. Il fait du XEC. Alors il est un peu endurant quand même. Regarde Fanny, elle porte aussi. Pourtant mais... c'est une fille. C'est parce que je sais pas faire. Et j'ai pas envie d'apprendre. À côté d'un précipice, tu veux. Où c'est qu'il y a des précipices? Plus ou moins tout ce qui nous entoure. Non, ça c'est une ligne de descente. Ouais, les notions sont un peu différentes. On arrive au bout là, non? Oh non. Pas okay. Du tout. Bon. Non, là. Bon, on est à la moitié, non? De toute façon, il faut te dire un truc en montagne. Il y a une seule façon de voir les choses. Tu te dis que c'est très loin. Tu te dis toujours,
c'est super loin. Même juste avant le sommet. Bon là, il n'y a pas de sommet. Montagne à vache, hein. De toute façon, un des premiers principes, c'est que quand on parle, c'est qu'on n'est pas fatigué. Mais là, il parle plus, tu vois. C'est moins... Ah bon, il parle plus? Il arrive. On l'a pas perdu. Allez, c'est parti! Allez, décrispe-toi! Allez, là, c'est mort! Oh putain, c'est chaud, les gars! Ok, see you. Vas-y, vas-y, t'occupe pas des cailloux, ça passe, ça passe. Yo. Il va arriver comme une furie, lui, là. On va peut-être se pousser du chemin, d'ailleurs. Qui me disent arrête-toi quoi, j'ai plus de bras. Ah oui, ça tape tout le temps, ouais. C'est pas grave, ça fait poids. Plus en arrière, Jeff. Yeah. Ah. Non, ça je passe pas moi. Si, si, tu passes, ça tu passes. Ça passe à l'aide. Je vais te montrer comment on fait et tu vas le suivre. Bon, je vais la passer une fois en statique, sans sauter rien du tout, comme tu vas le passer. Alors regarde, tu peux aller tout doucement. C'est un petit volant quoi. T'as vu quand même? Et maintenant on va la passer en dynamique. Tu vois en fait. Là, tu passes, là. Tu
préoccupes même pas des cailloux, tu fais comme si t'avais un trottoir en béton. Bah, je le sens pas. Regarde même pas les cailloux, regarde plus loin. Ah, mais je sais pas. Non, ça va pas le faire. Attends. Je vais te montrer avec son vélo que ça passe. Ah, c'est vrai que ça, c'est vrai que ça a l'air con, mais. Allez. Bon, on va repasser cette petite marche de la mort. Aller moins vite et tu vas te mettre dans ma roue. Essaye de me suivre. Je vais pas avoir les dangers si je fais ça. Non, là c'est tranquillou. Parce que c'est, tu vois, les cailloux là ils sont pas méchants. Ça c'est des cailloux. Tu vois, ils sont plats, lisses quoi. Ils sont bons pour les vélos. Ils parlent moins que d'habitude. Hein. T'es pas dans l'axe là pour me suivre. T'es bon? Allez, go. Doucement. C'était beau. Je savais que ça allait venir, enfoiré. Je savais, oui, mais je savais que si tu me suivais, tu passerais. Donc là, j'ai eu peur. Honnêtement, je te le dis comme ça vient, j'ai eu peur. Hein. Non, mais tu vois. En fait, ta roue, elle est plus haute que déjà la marge, donc ça enroule, quoi. Mmh. Enfoiré. Maintenant, c'est moi qui vais devant. Vas-y, fichu Fanny, moi, je ferme. C'est là que caillou à tout temps comme ça, maintenant. Théoriquement, c'est plus on descend, plus ça devient facile. Ouais, non, là, alors là, ça marche jamais. Ça. Non, c'est pas vrai. Ça dépend complètement de la montagne. Est-ce que tu es prêt, Jeff? Non, il a pas les mains sur le guidon, il est pas prêt. Je vais bien. C'est bon. C'est quoi, pas cette fois en arrière là? Non, c'est t'as hésité. Quand on hésite, on tombe. Ah, ça m'a calmé là un peu. T'inquiète pas. Là, on est dans la partie à vache, de la montagne à vache. Regarde, il y a des vaches en face d'ailleurs. C'est bon, concentration. Concentration, on essaie de. Tu vois, j'y suis allé trop doucement là. Oula! Attends! Ça va? Attends. Ouais, je suis tombé là. Je tiens le vélo. Bon, le vélo, il a l'air d'avoir que dalle. J'ai pris ton trajectoire. Bah, ma trajectoire n'était pas une trajectoire optimale. Hein. En fait, je crois que Fanny passait par là.
Toi, t'es passé par là, je crois. Non, moi, je suis passé là. Et toi, t'es passé là. Et c'était pour filmer Fanny de côté. Et du coup, je sais que je t'ai suivi. Et je pense que j'ai planté ma roue quelque part ici. Bon, en tout cas, t'as planté le guidon. J'ai tourné comme ça. Ouais, j'ai mal ici. C'est bien. Eh ouais, moi j'en gâche. C'est fait, Alexis. Ah, je sais pas comment on fait. Merci beaucoup, Fanny. Un vrai plaisir. Ah, alors, bon, on va. C'est ça, on peut faire un peu la comédie, c'est ça? Comment ça, la comédie? Ah, c'était dur. Mais tes billets étaient propres avant de venir ici. Ouais. Ouh là là. Là, j'ai un bleu ici énorme, ok? Là, ça se voit pas, mais j'ai super mal, ok? Là, je suis un peu blessé ici, ok? J'ai plein de souvenirs sur mon corps. Bon, bah allez. Alors, la grande question, t'avais une grande question, je crois. Ouais, j'avais une grande question, c'est que au début de ma vidéo, j'ai demandé à Alexis si, à la fin de la session que nous venons de faire en montagne, est-ce que je pourrais avoir le privilège d'avoir le titre Freerider. Alors Freerider, enfin c'est compliqué comme mot, c'est un mot que j'aime moyen parce que la plupart des gens ils l'utilisent à mauvais escient. Enfin, pour la plupart des gens, freeride c'est des gens qui font des doubles backflips en parc, alors que ça c'est pas du tout du freeride, c'est du freestyle, tu vois. Donc déjà le freeride ça veut dire que tu fais du vélo en dehors des sentiers battus. Alors il y a deux façons de le voir, quoi. Soit ça veut dire que tu fais du vélo sur des sentiers qui sont pas balisés, tu vois. Et dans ce cas-là, ce qu'on a fait, c'était du freeride, puisque on a fait du sentier non balisé. C'est bon, merci. Merci beaucoup. Soit la vraie définition puriste, c'est, ça veut dire que... Putain, je prends l'accent belge maintenant, là. C'est un truc de fou, quoi. Je vois pas de quoi tu parles, mais... Soit la vraie définition, c'est quand tu fais du vélo sans aucun itinéraire, rien du tout, quoi. C'est-à-dire sans aucun sentier, sans rien du tout. Sans aucune trace sous le pneu, quoi. Sans aucune trace, voilà. En nous, il y avait des traces tout le temps sur le pneu. Donc, nous, il y avait du sentier, du single ou du trail tout le temps. Donc, au sens, tu vois, effectivement, ce que tu as fait, c'est pas balisé, c'est pas répertorié dans des topos, donc là, c'est un côté freeride. Mais par contre, il y avait une trace. Donc en fait, il m'explique gentiment que je n'ai pas vraiment le statut freerider. Est-ce que je peux au moins avoir le statut rider? Alors celui-là m'énerve encore plus, ce mot. Oh putain. Putain, parce que ce mot-là, il veut rien dire. Ça veut dire quoi, rider? Rider. Tout le monde est rider, si t'écoutes les gens. Ouais, c'est vrai. Alors, est-ce que je peux avoir un statut un peu sympa? Un truc qui sort un peu de mon ordinaire. Montagnard, non. Montagnard, non. Non. C'est fini, alors je ne suis pas freerider. Je ne suis pas rider. Tu sais quoi, est-ce que je suis un vététiste? Ah. j'ai au moins ça, s'il te plaît. Non, ce qu'on a fait techniquement, ça s'appelle du vélo de montagne. T'as fait du vélo de montagne. Ça, c'est l'appellation officielle. Bam! Ah oui, non, mais j'oubliais que t'étais belge. Ouais, pour un Belge, t'es plus que freerider, quoi. Bam! Qu'est-ce qu'il y a ici?
Et attends, c'est pas fini. Je suis sûr que l'année prochaine, on va remettre ça. Oh, ouais. Ça sent l'invitation, on est d'accord. L'année prochaine. Ça sent l'invitation ici. Déjà, quand j'ai connu, t'avais un vélo de XC, là, t'arrives avec un vélo d'enduro. L'année prochaine, il va venir avec un vélo de DH, tiens. Alexis le dit jamais. Vas-y, il va le couper, ce soir. Abonnez-vous à sa chaîne, hein, les gars, hein, parce que Alexis vous le demande jamais dans ses vidéos. Jamais il vous le demande. Non, c'est pas mon genre. Moi, c'est pas son genre. Je présente quelque chose, et les gens, ils aiment pas, voilà, quoi. Mais je fais pas de la réclame, quoi. Eh ben, tu sais quoi, je la fais pour toi, la réclame. Voilà, rien à foutre. Les gars, vous aimez ce qu'il fait, il a des vidéos de malade. Lâchez votre abonnement, ça fait plaisir.